Je ne peux pas aller dans le sens Yako, Sepela, na Oyo et les Kaki. Nakati à ministère, na cabinet à ministre, Tony Mwaba, je le salue en passant. Mais aussi, je peux aussi fistiger comportement, il y a un inspecteur. Ce qui, Bazali Kokita, dans une administration, dans un ministère, pour Nabosala Moussala Moro Yabongo, je crois que la procédure, elle est simple. Bah, à Visaka toujours responsable et entité, on a que, Tozoya, Tokotinda, inspecteur, on a dit ça, Baya, pour ça, l'enquête par rapport à tel dossier. Mais Koyoka, l'introduction, on a eu un lobby que, bah, à visa quitté. Je suis d'ailleurs en train de chercher même la vidéo pour pouvoir illustrer quand même. Pour bandier, pour bon, à visa quitté. Bon, bon, il y a des gens qui sont censés couper ces rapports. Il y a déroulement, il y a travail, il y a entité, il y a ministère. Il y a des gens qui sont censés parce que, à bon moment, il y a des préparations à dossier pour grandir en bino ba inspecteur. Mais, de part et d'autre, je condamne cet acte ignoble parce que ils allaient honorer, en tout cas, pouvoir Nabi sauter, surtout que nous sommes dans le deuxième mandat. Mais ça, c'est, ça, je regrette beaucoup cette question de la ville de Kinshasa. D'ailleurs, dans le bas, il y a un peu pour répondre à la question de la ville de Kinshasa. Parce que, et comme il y a un peu de temps, il y a une école gardienne dans la ville de Kinshasa. Siège, il y a une institution. Vous comprenez, madame, capitale administrative, siège, il y a une institution. Ma pension d'ingisa le rôle du gouverneur à ville de Kinshasa au gérer, mais yo comme que gérer en haut le rôle là-bas na il y a école maternelle, il y a école Mokiawa, lisanga moko boye tout ça. Gentini Ngobila, moi je l'ai dit et je le dirai toujours haut et fort que Azalaki na taille ya ko gérer ville à Kinshasa. Na ko lobango na monoroni pour ba kiba. Ça lit 5 ans mobima. Ça lit 5 ans ville à Kinshasa avec la taille. Quel résultat? Ça lit 5 ans mais à Tiki Kinshasa salité. À Tiki Kinshasa, la queue de toutes les provinces. Tout le monde, combien de fois? L'Ikamon opposé à ma réhabilitation, posons Bissaye, déchéance, ça fait très mal, ça fait. Et puis, ça passe. Au moins, fidèles téléspectateurs de Congo Uni Télévision, vous informer, c'est notre devoir. Alors aujourd'hui, nous sommes déplacés, on est hors nos bureaux, hein, de bureaux d'habitude, hein, pour justement changer quand même des cadres parce que vous, vous aimez ça. Alors j'ai le plaisir, avec le plaisir, hein, de pouvoir analyser certains dossiers quand même qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. On va en discuter avec Monsieur Junior Ifoli, qui est analyste pro-pouvoir. On va essayer de parler de tout ce qui s'est passé justement au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, c'est ça, je crois, j'ai pas mal sacré, voilà, dirigé par Monsieur Tony Mwaba. On va parler de ce qui s'est passé, l'alerte, hein, qu'a lancé la société civile par rapport à la présence de troupes ougandaises à Rutshuru. On va essayer quand même aussi d'effleurer la question de PCR et puis de BAD aussi. Il y a tellement de questions que nous allons analyser ensemble avec vous parce que j'aimerais à ce que vous puissiez aussi participer à travers cette émission en nous laissant un petit commentaire. N'oubliez surtout pas un j'aime, ça nous fait toujours plaisir. Alors, Monsieur Junior Ifoli, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame la journaliste. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ça se passe en Lingala. Comme merci. D'habitude. Hein. Sans problème, oui. Nous sommes toujours bilingues. Oui, parce qu'il faut quand même la population congolaise, ou Azali Kolandabiso à travers Kinshasa, même Bandekoubaza, même na Libanda Mboka la Poto, et Balandarabiso, en tout cas, merci hein, pour vos encouragements. Et c'est, on va parler directement d'emblée na Mambo Itali, Kinshasa. Moi, j'aime bien dire, tout Betali Solo et Mboka. Tout ça, la carte, bah, fanatique, il y a. Tout ça, la carte, n'a fanatique, il y a un tel. Et c'est un gars qui va défendre couleur Moko. Mais plutôt, tu vas défendre l'Italie, Mbo Kanabiso, la République démocratique du Congo. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans le ministère, ou hier dans le ministère, et enseignement primaire, secondaire, je ne sais pas si vous avez suivi quand même, IGF sera bientôt là derrière M. Tony Mwaba. C'est vrai que bah, il y a Jean, il y a IGF, bah, Kota Kinaka, il y a bureau, il y a Tony Mwaba, il y a un bureau, il y a Moussala Naye, sans pour autant qu'on s'annonce, bah, qu'on coûte des documents, et puis ils ont récupéré certains documents, et que ça a été bah, pour poursuivre les cotonimois bah, avec toutes les dépenses déjà, ou à Sali,
la mambitelle le ministère d'enseignement. Qu'est-ce que vous allez dire par là? Madame votre la journaliste, merci d'abord pour l'invitation. Nako Linga, avant d'abord na répondre à la question nayo, puisque aujourd'hui que le bello est très important, on lui tombe tali solo ya mboka. Tous à la cas vraiment pas trop fanatique et à bas politique. Exactement. Alors ceux qui ont tombé tali li solo ya mboka na kokokate au côté na question non sans que na participer na reconnaître maman comme les bandes qu'on a vu sur ya Kimpese. La cette semaine maman comme il a été en sécurité na niveau ya Kimpese. La police au sein du territoire wana na territoire ya je crois ça m'a échappé, ça reviendra. Bazo koka kumtia pe ekimia na kati ya territoire wana te. C'est ainsi que population oyo bazana Kimpese ba telemaki ba komaki ko menacer ba chef ya la police na ba agent ya la police oyeb se bon que non comment se fait-il bino boza awa mais insécurité et zorien na territoire. Je ne peux pas aussi être pour ces actes ignobles aux populations à qui n'aient qu'au vandaliser bah souci à qui à la police n'a pas mesure à la police mais juste que nous avons participé na mawana et comme libango il y a 7 morts avec 16 blessés malaisima voilà malaisima bah conduit à la police bas à la vraiment na niveau y a pour maîtriser situation sécuritaire même pas na Kimpese dans toute l'étendue à territoire congolais, même aussi ici à Kinshasa, au niveau de Maluku, insécurité dans Makasi dans Maluku, insécurité dans Makasi dans Sélé, il y a un peu vraiment ba force, ba service et sécurité, basa musala malamu, puis l'État peut s'abango pena ba outil de travail pour que basa musala bon malamu. Pour nous répondre à la question, il y a Mambo Itali, ministère et enseignement supérieur. Madame la journaliste, et le moko biso na régime oyoto adopté te ezali makambo o ezalaki hier, c'est-à-dire que ceux qui bozana régime nabino gouvernement nabino esalamabete eza gouvernement nabino ba gouvernera provincial nabino esalamabete sambete eza yabino non biso avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi o azali réélu toyé na ba idée asika. C'est-à-dire que dans la famille politique, s'il y a un, ça ne va pas, tu es le maka, tu es le baka, et puis tu es le cassette, tout ça, la rappelle ma proposition. Je ne peux pas aller dans le sens si yako sepela na oyo et le kaki, na kati ya ministère, na cabinet ya ministre, Tony Mwaba, je le salue en passant, mais aussi, je peux aussi fustiger comportement, il y a un inspecteur, ce qui. Bazali Kokita dans une administration, dans un ministère, pour Nabosala Moussala Moro Yabongo, je crois que la procédure, elle est simple. Bah, avisaka toujours responsable et entité, on a que Tozoya, Tokotinda, bah, inspecteur Nabiso, Baya, pour ça, l'enquête par rapport à tel dossier. Mais Koyoka, l'introduction, na Yondengo lobby que. Bah, avisa quitté, je suis d'ailleurs en train de chercher même la vidéo pour pouvoir illustrer quand même. Pour ce qui est avisa quitté. Bon, bon, il y a des gens qui sont censés couper ce rapport. Il y a déroulement, il y a travail, il y a entité, il y a ministère. Il y a couper ce qui est parce que il y a des gens qui ont été préparation à un dossier pour grandir en inspecteur. Mais, de part et d'autre, je condamne cet acte ignoble parce que. Ils allaient honorer, en tout cas, pouvoir n'abissoter. Surtout que nous sommes dans le deuxième mandat, mandat au chef de l'État. Lors, il y a discours, il y a investiture, naïe, devant population au Bayaki, population naïe au Bayaki, dans le stade des martyrs. Chef de l'État, à l'Obaki, a changé gestion, il y a Congo à travers les six axes Oyo, à Kokozaki. Entre autres, la bonne gouvernance. Alors, la bonne gouvernance voudrait assez que. Bato oyo ya biso bazan ba tenant du pouvoir bazan ba administration bazan ba ministère bazan par-ci et par là baye ba kosala musala malamu pour que parfum ya gestion na bango et komati na population pour que population apaise ali susu bango confiance même et kozala na 2018 comme fait un mandat à chef de l'État mais tourtika politique te toza toujours na famille politique na biso on va proposer les autres personnes. D'accord, je vais lire quand même pour vous. D'après des sources proches de l'IGF, le ministre professeur Tony Mwaba serait à la base d'un détournement des primes d'encadrement de la paye estimée à plus de 7 milliards de francs congolais.
L'IGF a promis de communiquer là-dessus au niveau de la chaîne des dépenses. La dite prime n'a jamais été payée au ministère de l'EPSP qu'au niveau de la chaîne des dépenses, budget, finance. Et certains financiers s'étonnent dans le compte des bénéficiaires par le ministère de budget et finance. À l'EPSP, on ne manipule pas les chiffres. Réplique un administratif de l'EPSP. Le cabinet des professeurs Tony Mwaba promet de répondre dès que le communiqué officiel de l'IGF sera rendu public. Ok. Voilà, nous avons dit que la communication de l'IGF par rapport à l'enquête. Au moins, madame. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a un peu de temps. Il y a très important. L'analyse est que si vous avez un peu de temps, parce que si vous avez un peu de temps, non, je ne défends personne. Mais au milieu du village. IGF, je crois bien, elle est née. 1987. Né à écouter que soit IGF on a à travers mon ambo kaji la lingette donc bisoba communicateur pro voir vous avez dit batu oyoyo tu vulgarisez qui musala ya mon ambo kaji la lingette parce que à ce qui musala oyo pe azo continuer comme ça oyo c'est pelisa bah ike oyo c'est pelisa bah kino c'est pelisa congolais donc yo ministre il y a enseignement primaire et secondaire monsieur Tony Mwabozo classé parmi les meilleurs ministres quand même au bah il travaille na non actuellement où tu cosi là non mais na mandat où tu cosi là la manière dont zo le bilango non je ne peux pas classer monsieur Tony Mwaba comme le meilleur ministre mais je ne peux que classer comme bah ministre OEP bah ça qui me sert la bonne malade oh bah yibité. Personnellement, je n'ai pas de preuve. Personnellement, je n'ai pas de preuve Yakimoïbité. Parce que si on a dit que non, M. X a dit que je n'ai pas de preuve et que je n'ai pas de côté. Mais, Azali, parmi Bato, Oyoyo, ça a dit que la législature n'a qu'un quinquennat Oyoyo aussi. Donc, Tony Mwaba, Azali, parmi les ministres. Mais le problème, Azali, IGF, IGF, on a qui dans la province, on a une enquête, dans le ministère, dans l'établissement public. Les lois qui IGF, la population, IGF comme un instrument, il y a contrôle. C'est parce que moi, je suis Félix Tshisekedi, quand il y a eu le pouvoir en 2019, il y a eu le pouvoir. Seulement, dans le Biboué, si réellement elle avait besoin de travailler comme il se doit. Et Sengela qui a visé, parce que les administrations, quoi, a visé mon amboka à travers le ministère, naïe, Tony Mwaba, que tu continues d'avoir un inspecteur, pour regarder mon collègue, pour n'avoir pas un préparé le dossier, n'a pas un élément de défense, n'a pas un. Et non, Bissot, t'as là, n'a mandat, n'a Bissot, de tel, tout ça qui bout, c'est bon, ou à Bissot. C'est-à-dire, qu'il y a d'emblée, pour y'en n'engue, Toyoki, n'en n'engue, tout mon élite, en tout cas, et ça vraiment un respect, il y a la procédure administrative normale. C'est un peu ça. Mais, mon salaire, il y a IGF, Bissot toujours, bateau, tout allé pro-pouvoir, tout allé mettre ma boco, tout allé qu'on brandir en vedette, parce que, madame, n'a pas eu mon coco saïoté. N'a Kinshasa, on a Congo, 80% de la population, il y a IGF. Il y a IGF, n'a venu, il y a pouvoir, il y a mon amboka. Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo en 2019. Mais est-ce que Nathan ou FCC Koutou IGF en Ezalaki? Toi Ezalaki, mais tu n'as jamais fonctionné. Toi, tu as quand même lu selon Moussoussou. Élection en RDC, la CENI prévoit l'enrôlement des électeurs à Massissi, Rutshuru et Kwamout du 1er juillet au 20 juillet et les votes le 5 octobre. Pendant ces temps, les affrontements entre les FARDC et M23 se poursuivent dans les Massissi et Rutshuru. Je venais tantôt de les dire tout au début par rapport à l'entrée. Il y a des troupes ougandaises dans Rutshuru, puisque surtout tout le monde qui est alerté par rapport à cette question. Voilà. Mais en même temps, il y a monté en puissance, il y a des FARDC. Mais jusque-là, il n'y a aucune solution aux populations à causer la paix
euta et pas y a bah politique et bah cambi ambo cannabiso topé y a bah FARDC pour nous éradiquer totalement bah ouais ali bah M23 déjà bah tout pour Gandès bah côté nakati on a pesé ali pour bandi ça va tout pour moi d'ailleurs heureusement yomoko tant ou poser question oyo on s'est rappelé que il y a monté en puissance. Mais c'est ce qu'on nous dit. Mais est-ce que sur le terrain, sur le terrain, nous voyons, madame. Oui, mais est-ce que sur le terrain, on est en train de vivre ça? Le problème qui est là, c'est que la République démocratique du Congo, azali mona mwasi oyo, bazolou laye na mokili mobimba, bazolou laye na ba nation sœur, surtout ba o bazingi biso, entre autres, le Rwanda et l'Ouganda. Vous comprenez? Donc, biso ba population, toza kaka na il faut adopter posture moko. Posture on est allé nini ko zalana sima ya ba element na biso FARDC. Ko pesa bango makoki surtout gouvernement, j'implore vraiment. Mais ko pesa bango makoki, makoki en otil le batikala rozangote. Monsieur Junior, s'il vous plaît. Tout ça quand même pragmatique hein. On reste pas dans les ondits. OK. Makabunyo ce que zali ko le kana est ya mboka na biso. Avec tout ce que nous sommes en train d'écouter, dès que vous allez plus colander maï, ben y informer les alliés coléka. Ben Wazalendo c'est vrai que ben Télémi, mais jusque là, ben découvrant la basali toujours on a pété. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi l'a bien dit. Je me rappelle ce que vous vous rappelez encore et qu'elle a moindre escarmouche. Après ben la route. Voilà, oui, oui. Mais jusque là, retour au Yangoana, les lots, Massissi, les affrontements continuent. Et puis, et là comment est très important, madame. Il faut pas tout zoaka ben dossier. Oyo Italie sécurité en moka tout soit à la légère. Très bien. Ce sont des dossiers oyo tant de traités en haut aux profanes. Il faut oyeba d'abord un mato ino ezala polele pour l'année d'abord ce qui se passe et puis comme ça la recherche des informations pour que o pesa ba proposition tout ça la critique moko constructive. Madame olobelo ko moko en obige non est-ce que ba makoki en otile ba pesa te. Mais moi, je veux vous rappeler une chose, madame la journaliste. Tant que moi, Namboka Félix Tshisekedi a nommé l'actuel chef d'état-major général Tio et Christian na likolo ya Bamapinga na biso. Mais tout le monde a dit que ma dofolo, ils allaient qui na kati armée na biso. Ils allaient qui na ba kondi moussous au cœur. Ils allaient qui na niveau ya intérieur, place au Makambo Izali. Mbongo tam moussous bande ko komate, marambe bele. C'est-à-dire que l'élément de la biche, il y a force républicaine. Bazali Kozanga ne fût que même Bateni, même Bilamba, Bitumba, même en Bébélé. Mais tant que moi, je suis Félix Tshisekedi, avec réformer, avec ça la proposition, avec ça la nouvelle nomination, tout ça, témoin. Tout le monde a Kindenge. Nous avons là, excusez-moi, téléspectateurs, c'est-à-dire, nous avons dit, par rapport à la gestion, il y a Makambo Italie, sécurité dans la province. Alors. Ndenge ezali wana na otu koloba na kote la nangai na ebisi yo ke Kinshasa Congo ezali mboko ezali convoité na ba pays nyonso voire même aux étrangers voire même mindele donc bakotika ka biso tranquillité. Problème ezali wana ezali que lokola inscription ya kokende kobotola ba territoire ezo occupé par notre armée républicaine à travers leadership ya mokonza mboka n'a pas conduit, il y a armé, tout appuyé bango. En lieu et place, tout critiqué. Et ça va dans mon abandonnement opposition. Oh, Koutou, basu territoire Songolo. Oh, basu territoire Niniboué. Et ça, il tombe. Actuellement, mon tezo pela nandaku, tous andaku moko, tous ali une seule maison, tous sangana et longo, tous alabou moko, tous bounissa, munguna, ou à côté de l'andaku. Bon à Bawazalendo. Bawazalendo, ce sont des Congolais. Oh, bah, Télémi, bah, moni mabe, ndenge, Binemi, bazo kote la biso, pour que bazoa mabele na biso. Je les encourage, mais na rosenga na bango, ba se conformer, na ba directive ya armée régulière pour que to zoa étendu à territoire na biso, ata un centimètre te e kende na maboko ya bangu na biso, Uganda, Rwanda, ndenge bazo menacé. Kozwa parti est na biso. Mais ça est-ce que sans Sadek to kokiki ko sala musala malonga te biso moko. Non mais omoni na diplomatie, il y a toujours le rapport. Oh, et ya ki hein, to moni musala mo ya sa salité, Sadek nda et puis est-ce que omoni musala ba ça. Omoni ndenge toza boye na RDC toza toujours partagé, toza na kati ya ba organisation et toza na Sadek. Na kati ya Sadek wana ba branche ezebele, soki ba moni ki membre na bango influent lokola parce que Congo est très influent vu
la politique au moins en boucle politique publique au moins en boucle Félix Tshisekedi a zapu brandi et a très influente la RDC vu biloko tous en a sous-sol vous comprendre donc le quoi tous en a quatre organisations en a et puis qui s'amite que na quatre lingomba songolo ba proposition moko boe et a pour que to sangana to que nous kubulisa moninga non seulement la RDC même ba pays membres au bazana quatre SADC ceux qui basent du problème RDC, Trokende, je crois, dans le conflit, je crois, dans l'élection, je crois, je crois, Félix Tshisekedi, dans le rôle de médiateur, je crois, pas Idriss Déby, je pense, Idriss Itz No Déby, je crois, dans le rôle de médiateur. Pourquoi? Parce que RDC, Toza, Nabango, Lingomba Moko, et Sengi, que tu as apporté une expertise dans le domaine Oyo, il y a négociation, domaine diplomatique. Il y a un moment où Félix Tshisekedi, c'est un bon diplomate, il est fort en diplomatie légendaire et par rapport à l'expérience. Voilà. Peut-être qu'il doit prêter bon, mais fort. Mais pas bon, pas bon, il va attaquer, Bangouna la biso, il va déranger biso. Il va bon la diplomatie. Madame, c'est la stratégie militaire. Il y a un monde où il y a 24 ans qui est en train de dire ceci. Est-ce que biso va congolais de côté pour pleurnicher? On est toujours en train de pointer du doigt, on l'a dit. Kagame derrière le même M23. Mais qu'est-ce qui nous empêche? À les attaquer? Nabia, et bon, mon goût, on a zoko, on a cité comme on a été. T'as cité comme on a Kagame Tinasuka. Mais pour l'année, tu dois attaquer. Mais non, il y a attaquer des problèmes. Il faudrait des stratégies purement sécuritaires et militaires. Oyo, population, normalement, il y a un OPT. Parce qu'il y a des secrets. Oyo, ils ont un Kati armé. Bah oui, on brandit en gros en vedette parce que Munguna ça partout. Munguna cause la peine de tous nos azani pe ah wazo kané pe biso. Je comprends. Donc le secret là, Polichner doit être gardé pour que bâti ayango comme bas stratégie au tokenesco pour contraindre Munguna et permettre que Munguna akoba nalekini ni rutu alekiki tanga azo pusana malé malé. Non, ce n'est pas ce que l'armée veut ou soit voudrait. Au les importants, tous sangana, tous à la bomoko, tous bundisa, ennemi oyo, à télémer le biseau. Puis il faut toyeba. Munguna oyo, à côté le biseau, à côté le biseau, les loté. Donc Félix, il sait qu'il a épéka et cohérité, pekaka, makamouana. Mais ce qui est bon dans ça, c'est la toute première fois, madame, je vous dis, un président de la République, depuis cette guerre a commencé, guerre asymétrique oyo. C'est la toute première fois un président de la République a cité nommément et haut et fort, même dans de grands salons politiques internationaux, comme il y a agresseur, un chef de l'État, un pays voisin, Félix Tshisekedi a cité comme il y a mon amboka plusieurs fois que non, a doit être habillé non, il y a un homme de l'autre mais on a débat, on a déjà à la clôture, ce qu'on a dit, c'est son de référence. On doit continuer à attaquer. Puisque nous savons déjà que c'est Kagame qui est derrière les M23. Alors on va parler des Gentilingobila. Gentilingobila aujourd'hui, réhabilité. J'ai Coco qui n'a fait que, je ne sais combien, 48 heures, mais on a vu quand même ce qu'il a fait. Aujourd'hui, les Kinois sont en train d'applaudir même le travail des J'ai Coco Moulumba, mais malheureusement, ce n'était que pour quelques minutes, quelques heures. J'ai Coco, Gentilingo Bila a repris fonction. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à ce que les VPM a fait? Parce qu'il a surpris quand même beaucoup de gens et on s'est dit, beaucoup aussi ne croyaient pas à ce qu'ils pouvaient quand même réagir de la sorte directement et réhabiliter Gentilingo Bila. Mais ça, je regrette beaucoup cette question de la ville de Kinshasa. D'ailleurs, dans le bas, il y a un peu pour répondre à la question de la ville de Kinshasa. Parce que, et comme il y a comme à l'école, il y a une école gardienne dans la ville de Kinshasa. Siège, il y a une institution. Vous comprenez, madame, capitale administrative, siège, il y a une institution. Ma pension, il y a un gouverneur de la ville de Kinshasa, mais il y a comme il y a géré en haut, l'école là-bas, il y a l'école maternelle, il y a l'école Mokiawa, l'Isanga Mokoboye, tout ça. Gentilingo Bila, moi, je l'ai dit et je le dirai toujours haut et fort que Azalaki na taille ya ko gérer ville à Kinshasa. Na ko lobayango na monoroni pour ba Kinshasa. Ça fait 5 ans mobima. Ça fait 5 ans ville à Kinshasa avec la taille. Quel résultat? Ça fait 5 ans mais atiki Kinshasa salité, atiki Kinshasa la queue de toutes les provinces. Tour lobayango combien de fois? L'Ikamon opposé à ma réhabilitation, pour Jean-Bissaye, déchéance, ça fait très mal, ça fait. Et puis, ça passe.
Omoni ngai na lobango union sacrée izalaka blanchissérité. Soki mabe ezali kuluba. C'est ça maintenant l'opportunité que nous avons na kati union sacrée. Oh, peut-être ailleurs izala raté. Biso soki mabe ezali démocratiquement tokoloba ke non. Madame la journaliste, yo sali mabe ton de junior, il faut yo sali mabe. Ndeko gentini ngobila ba cité ye na seni. Je ne peux pas être entré dans le débat et à juridisme parce que nous avons juridiste, juriste était. Ceux qui s'est nés à la capacité à co-brandir, à invalider 82 ans. Ils ont un problème. Dans mon problème, c'est qu'il était cité. Gentilly Ngobila Mbaka. Mais ça, par rapport à l'ingérence, il y a par rapport à la fraude. J'arrive. Il y a un secrétaire général, il y a parti Naye. Donc, dans l'architecture, il y a parti politique. Président et le secrétaire général. Tous les deux cités dans la fraude électorale. Alors, et pour ça, là, mais que le procureur général près le parquet à cassation à Sengi Yé. Gentilly Ngobila n'a pas des immunités. Azali député provincial ni national. Mais par la procédure normale, Ndenge, règlement d'ordre intérieur, il y a assemblée provinciale et Sengi. Et ceux qui, Bazan a besoin, il y a membre du gouvernement, tout gouverneur, Bako Senga Yé, Sengi Gentilly Ngobila. Bureau et Fandi, Assemblée provinciale. Bazaki n'a vacances. Il va livrer 4 sur 5 pour voter à Kende justice. Mais il y a un peu de pour la il y a un peu de la 4e rue, il y a un balançoire. Il y a un balançoire pour les enfants, mais ce n'est pas. Est-ce que, madame, Kinshasa, c'est une capitale qui contient à peu près 16 millions d'habitants?